à toutes et à tous. J'espère vraiment que vous allez bien, les amis. C'était il y a quelques heures à peine sur la scène du stand PlayStation au Tokyo Game Show. Hideo Kojima est monté, accompagné d'une partie du casting japonais de Death Stranding. Alors oui, bien sûr, ils ont parlé des voix, des enregistrements, mais pas que. Mais pas que. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre. Oui, un nouveau personnage a été dévoilé, pas n'importe lequel. Visiblement, il s'agit d'un personnage assez méchant, puisque l'homme au masque doré a invoqué une créature des ténèbres. Allez, on regarde la nouvelle bande-annonce qui a été dévoilée à l'occasion de ce Tokyo Game Show, et je la décrypte juste après. I had a special surprise prepped and everything. But it looks to me like your hands are full. It's no biggie. You can always tweak the rules a bit. Do to make it out alive is not get eaten. Sound like fun? Of course it does. Wow. Wow, quelle classe, l'homme au masque doré. Vous l'avez vu? Eh bien, et peut-être aussi entendu, cette voix, c'est celle de Troy Baker. Troy Baker, c'est l'un des doubleurs numéro 1 dans le jeu vidéo, il est à peu près partout. Revolver Ocelot dans Metal Gear Solid 5. Bah oui, c'était lui. Joel dans Last of Us, c'était encore lui. Snow dans Final Fantasy 13, bah c'était lui. Et je pourrais continuer comme ça extrêmement longtemps. Le frère de Nathan Drake dans Uncharted 4, bah c'était lui. Et bah le voilà dans un rôle de méchant, très clairement. Un méchant extrêmement énigmatique, encore, un peu comme l'ensemble de Death Stranding, hein, vous me direz, qui donc retire son masque, le plonge dans ce magma noir huileux et en fait jaillir comme ça une créature démoniaque constituée d'ensemble de corps. Là, il y a un virage quand même très sombre, hello, qui est en train de se dépeindre dans Death Stranding. Alors, c'est sûr que le mystère plane encore, mais si on essaye d'analyser et de décrypter un petit peu mieux, eh bien, cette vidéo, comme d'habitude avec Hideo Kojima, qui joue avec les joueurs, qui joue avec son public, on peut déceler quand même quelques petites informations supplémentaires. Tout d'abord, si vous regardez bien, Sam Porter, le héros, incarné par Norman Reedus, eh bien, en fait, il porte derrière ses épaules une jeune femme. Cette jeune femme, elle n'est pas morte, puisqu'à un moment, elle bouge un peu la tête, donc elle doit, en fait, être blessée. Et si on regarde bien son visage, pendant une fraction de seconde, moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il s'agit de Stephanie Justin. Eh oui, Stephanie Justin, si vous êtes fan un petit peu des Metal Gear et des jeux Kojima, ça devrait vous dire quelque chose, puisqu'elle avait incarné Quiet dans MGS5. Eh oui, c'était elle. Et il me paraîtrait relativement logique, dans un jeu Death Stranding, qui est annoncé comme créant des passerelles, des ponts entre les gens avec lesquels Hideo Kojima a eu plaisir à travailler, à passer du temps de ces dernières années, eh bien de la revoir au casting, même si pour l'instant, on ne sait pas. Ce ne sont que des suppositions, que du conditionnel, que des guillemets, mais regardez bien et vous me direz dans les commentaires si vous partagez mon avis, ma petite déduction ou pas. Intéressant aussi de se rappeler qu'il y a quelques mois maintenant, j'irais même probablement année, Hideo Kojima était passé en France et sur son Twitter, on avait vu qu'il avait vu une exposition, je crois que c'était au Louvre, c'était à Versailles. À Versailles, et il avait posté sur son Twitter des masques égyptiens pharaoniques en or. Eh bien, j'ai l'impression que l'homme au masque doré, qui quelque part est aussi un peu dans une tradition historique française, puisque vous savez, il y avait un roi ou un membre de la famille royale qui était enfermé dans une prison,
et qui avait lui aussi un masque, alors un masque de fer, mais un masque de fer, un masque d'or quelque part, on n'est pas bien loin, eh bien, qui se cachera vraiment derrière ce visage? Pourquoi porte-t-il un masque? Quels pouvoirs sont détenus par ce masque d'or? Ce sont autant de réponses qui nous seront probablement apportées dans les semaines et mois à venir. Mais Troy Baker et l'homme au masque doré ne sont pas les seuls personnages qui ont été dévoilés. Eh non, il y en a un autre, en l'occurrence Tommy Earl Jenkins. Voilà, a été dévoilé pour la première fois aujourd'hui sur scène. Et alors son personnage sera une sorte de capitaine, de chef en fait de l'organisation pour laquelle travaille Sam Porter, à savoir donc Norman Reedus. Voilà, Norman Reedus, on ne l'a pas vu ces derniers temps, alors que si vous suivez un petit peu le compte Twitter de Hideo Kojima, eh bien vous avez pu vous rendre compte que justement, cette semaine, il n'était pas ici. Il n'était pas à Tokyo, il a fait la navette, l'aller-retour, exclusivement justement pour présenter sur scène bien ces différents éléments, mais il était à Londres, où il enregistrait les voix de différents personnages avec Léa Seydoux, l'actrice française qui sera bien dans le jeu, incarnant les fragiles, et aussi Mads Mikkelsen, pour lui un personnage dont on devrait apprendre beaucoup plus de choses là, prochainement, c'est ce qu'il a dit, bientôt. Alors le bientôt, c'est quoi? Si on essaie de réfléchir deux secondes, on peut se dire que la grand-messe du jeu vidéo, c'est l'E3. C'est là où les annonces principales, désormais, se font. Alors depuis des années, mais là, clairement, encore plus encore. Mais il y a les Game Awards. Et les Game Awards pourraient être une date intéressante pour Hideo Kojima, pour lever le voile, peut-être un peu plus, sur encore d'autres personnages du casting, parce qu'apparemment, il n'est pas encore totalement complet. Ou bien des informations supplémentaires sur le gameplay, puisque lui-même a dit, vous avez vu cette séquence-là, avec la créature et tout, ça fait vraiment séquence de gameplay. Hein. Alors à votre avis, il faut faire quoi? Il faut se battre? Il faut fuir? Eh bien, ce sera à l'appréciation du joueur. Voilà, en tout cas, c'est assez impressionnant. Mais il y a une info que vous attendiez, que j'attendais, c'est la date de sortie. Puisque ça fait maintenant quelques années que Kojima est à l'œuvre sur ce Death Stranding, il faut bien réaliser quand même que depuis sa séparation houleuse avec Konami, il a dû lancer un studio, recruter des membres de l'équipe, aller à la recherche d'un nouveau moteur graphique qu'il a fait en conjonction avec Guerrilla aux Pays-Bas et qui doit désormais donner lieu au Decima Engine. Mais tout ça, voilà, c'est... Et il a confessé vraiment sur scène qu'il avait eu un peu de retard sur le casting des différents personnages et que, par exemple, pour réussir à sécuriser vraiment les droits, etc., de Norman Reedus et de Mads Mikkelsen, ça lui avait demandé une année pleine de travail. Et c'est pourquoi, à ce niveau-là, ils ont pris un tout petit peu plus de retard, même si il a confirmé et rassuré un peu les joueurs qui étaient là présents lors de cet événement. Et ils étaient particulièrement nombreux. Allez voir un petit peu sur Twitter, il y a eu certaines photos qui ont été faites, vraiment une marée humaine. C'était super impressionnant. Le Tokyo Game Show s'est quasiment arrêté de vivre pendant cette petite heure environ de présentation. C'était franchement super impressionnant. Mais il a confessé que pour l'instant, le développement suivait bien son cours et qu'a priori, il ne devrait pas avoir de retard pour le moment, il a dit, pour le moment. De préciser aussi que dans sa tête, il voulait sortir le jeu eh bien, comme un écho, comme un hommage à Akira et à la date où se déroule l'animé. Et vous le savez, dans Akira, tout se passe dans un Tokyo un peu futuriste, mais qui ne l'est plus aujourd'hui pour nous, puisque c'était Tokyo en 2019. Donc, comme on se rappelle aussi qu'il avait évoqué de vouloir sortir le jeu avant les JO de Tokyo en 2020, eh bien, ça nous donne globalement la fourchette de lancement de ce Death Stranding qui pourrait donc intervenir entre, allez, on va dire fin 2019, début 2020. Là, je pense qu'on serait pas mal dans la fourchette de lancement du titre. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle bande-annonce.
assez mystérieuse encore, comme l'est à peu près tout le jeu, mais c'est ça qui est bon, il continue à jouer avec nous sur les annonces des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs qui rejoignent le casting et l'osmose qu'il y a entre les équipes japonaises, puisqu'il a souligné à quel point diriger les acteurs japonais, c'était pas du tout la même chose que les acteurs hollywoodiens, tout simplement parce que Norman Reedus, Guillermo del Toro, etc., eux ne parlant pas japonais, ils ne pouvaient pas les diriger extrêmement précisément comme ils le souhaitaient, ce qui n'est pas le cas des acteurs japonais qu'il connaît en plus pour certains depuis maintenant des décennies et avec qui vraiment la sélection se fait sur la confiance réciproque qu'ils portent les uns aux autres dans les projets de Hideo Kojima. Voilà en tout cas, écoutez, j'espère que vous avez appris de belles choses. Je vous remercie encore une fois d'avoir été si nombreux à suivre le Tokyo Game Show en ma compagnie. Il y a encore beaucoup de vidéos et beaucoup d'informations qui arrivent, il y a beaucoup de jeux que j'ai pu tester et dont les vidéos sont tournées, sont en cours de montage et vont arriver. J'ai encore pas mal de boulot, alors la nuit va être courte pour vous donner le meilleur. D'ici là, n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner, à regarder d'autres vidéos. Il y en a pas mal qui vous attendent. Alors à très bientôt les amis. Ciao, over and out.